3, ça va mieux. Les gars, voilà, cette semaine, ça a été très très compliqué. Donc, je vous remercie pour tout le soutien que j'ai eu. Déjà, on va passer aux choses positives. Donc, merci les gars, on est 342 sur la chaîne, 342 abonnés sur la chaîne. Franchement, c'est juste énorme. Un grand, grand, grand merci à vous tous. Ça fait super plaisir. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu, on a atteint les 3000 vues sur ma chaîne, les gars. 3000 vues. Donc, j'ai eu un petit trophée par l'application de YouTube où je suis mes abonnés, enfin, où je réponds aux commentaires et tout ça. Voilà, donc j'ai eu un petit papier, enfin numérique, hein, bien sûr, on a passé les 30 000 vues. Là, on est exactement à 31 200 vues sur la chaîne. Donc franchement, les gars, un grand merci à vous. Cette semaine, j'ai fait mon traitement minoxidil, mais j'ai fait que 3 jours dans la semaine, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, dont Snapchat, ont su que j'ai eu un problème. Voilà, j'ai fait mardi soir, j'ai eu un malaise. Donc, je suis tombé dans les pommes et perte de connaissance, si vous voulez, mais ne serait-ce qu'une demi-seconde, quoi. Ma copine m'a mis une claque et puis ça m'a réveillé. Donc, tout de suite, vu qu'on prend le traitement du minoxidil, malheureusement, il y a des effets secondaires, comme je le répète tout le temps. Moi, j'en ai pas spécialement, mais il y a des personnes qui peuvent en avoir. Et la preuve, là, que voilà, je pensais que ça aurait pu être par rapport à ça directement. Les gars, je vous rassure, moi personnellement, c'est pas par rapport à ça. J'ai fait une grosse, grosse, grosse prise de sang. Donc, je vais vous prouver ça, hein, parce que de toute façon, comme j'ai dit, moi, vous êtes ma famille des barbus. Et donc, je vous prouve tout. Je vous prouve que j'ai pas de problème par rapport à ça au niveau de mon sang et tout ça. Parce qu'au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est peut-être par rapport au minoxidil. Donc, du coup, j'ai arrêté le traitement pendant 3 jours. Là, je l'ai repris depuis avant-hier, quoi. Donc, du coup, voilà, je préférais arrêter sans tant que je ne savais pas si c'était par rapport à ça ou pas. Donc, franchement, les gars, déjà, un grand merci à vous tous parce que une fois que j'ai mis mon Snapchat, comme quoi j'ai dit, bon, bah voilà, que j'ai eu un malaise et que je savais pas trop si c'était par rapport au minoxidil et tout. J'ai eu, je vous mens pas, hein, les gars, j'ai eu au moins une quarantaine de personnes faciles à m'écrire, à me soutenir et tout. Et là, franchement, c'est là que je vois que, que vous me rendez ce que moi je vous apporte tous les dimanches à vous faire des vidéos sur les produits de la barbe et sur le traitement du minoxidil. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment une famille et qu'on est tous soudés. Et ça me fait vraiment, mais c'est pas pour parler hein, comme ça, mais ça me fait vraiment chaud au cœur, les gars, parce que franchement, merci à vous tous, parce que ça fait du bien d'être soutenu et de voir que la famille, ça reste la famille, même si ce n'est que virtuel. Et franchement, voilà, merci à vous et encore merci à tous les Snapchatters qui m'écrivent tous les jours et que on se raconte nos journées, même limites et tout ça. Enfin, voilà, c'est juste génial. Donc les gars, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une grosse prise de sang. Donc je vous ai mis un petit encadré pour vous dire, en fait, ça c'est par rapport à mon sang. Je ne vais pas vous montrer toute la prise de sang parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Et comme quoi, je suis bien dans les clous, quoi. Donc au niveau du sang, c'est pas ça du tout, hein. Et voilà, je vous mens pas. Bon, je vais pas vous montrer ma date. Enfin, hop, je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, c'est pour vous dire que voilà, je suis pas un menteur, hein. Voilà, l'autre page et la dernière page. Donc, la prise de sang n'a rien détecté, comme quoi j'avais de problèmes. Donc déjà, de problèmes par rapport à moi, par rapport à mon sang, par rapport à juste un manque de fer. Bon, je vous le dis parce que voilà, comme ça, vous le savez, quoi. Juste un manque de fer et puis un manque de vitamine, je sais plus c'est quoi exactement. Bref, c'est pas dû au minoxidil. Donc les gars, vous inquiétez pas. Je dis pas que le minoxidil ne peut pas faire d'effet secondaire parce que j'en ai. J'ai la peau sèche, j'ai des boutons, mais les gars, pour le moment, moi, c'est pas par rapport au minoxidil. Donc, je comprends que tout le monde me dit, ouais, fais attention, yo, et tout. Vous inquiétez pas, de toute façon, comme j'ai toujours dit depuis mes premières vidéos, je mettrai pas ma santé en jeu pour avoir une barbe. Donc, faites-en autant si vous voyez que vous avez quoi que ce soit comme problème, les gars.
je vous mets sur vos gardes. Faites attention, ça reste un traitement et un médicament. Donc, attention à vous. S'il y a quoi que ce soit, arrêtez. On est imberbe, eh ben c'est pas grave. On restera imberbe ou alors on prendra des produits naturels. Il y a peut-être des produits naturels qui fonctionnent. Après, voilà, moi, je sais que si j'ai quoi que ce soit comme problème, je me pencherai plutôt sur des produits activateurs, pousses de barbe et tout ça, produits naturels. Voilà, les gars, donc c'était ma petite parenthèse par rapport à mes aventures de cette semaine. Donc, malheureusement, mon évolution, ça n'a pas trop évolué, à part au niveau des pattes, je trouve que c'est pas trop mal. Et au niveau du trou, là, voilà, vous allez bien voir que... les poils arrivent vraiment au niveau du trou. Bon, voilà, certains vont me dire, oui, j'avais la même barbe que toi à 13 ans. Ok, les gars, je suis content pour vous. Ça, c'est des petites réflexions que j'ai. Je trouve ça complètement débile. Donc, si mes vidéos ne vous plaisent pas, j'ai juste une chose à dire. Passez votre chemin et laissez la place aux autres. Et puis, voilà. Les commentaires qui sont en désavantage, d'accord, mais constructifs, quoi. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien de mettre un commentaire comme ça, que j'avais de la barbe à 13 ans, comme toi, personnellement, je m'en fiche. Voilà, les gars. Sur ce, on va passer à mon évolution. Donc, ça fait 5 mois et une semaine, même si ça va faire que 5 mois et 3-4 jours, parce que là, j'ai repris le traitement seulement là, quoi. Donc, on va passer à mon évolution quand même, comme tous les dimanches. Et je vous laisse voir ça tout de suite, les gars. C'est parti. Alors, là, les gars, au niveau de la moustache, par contre, c'est vrai que ça s'est vachement bien densifié cette semaine, même si, voilà, parce que j'ai l'impression qu'en fait, même quand on prend plus le traitement, vu que ça reste un peu quand même dans la peau, et le minoxidil fait quand même effet, quoi. Donc, au niveau de la moustache, n'oubliez pas que je me suis tondu, rasé à blanc la joue faible. Alors là, je vous fais, franchement, c'est pas mal. Au niveau des pattes, là, ça commence à bien revenir. Au niveau du trou, je vais vous faire un zoom. Voilà. Au niveau du trou, là, ça y est, ça commence. On a vraiment des poils à arriver. Et quand je fais ça, vous voyez vraiment du duvet partout, quoi. Là, ça s'élargit. Voilà. Au niveau de la mouche. Le menton. Je vous mets un peu comme ça. Voilà, l'autre côté. Parce qu'on me demandait de faire des plans comme ça aussi. La commissure niveau faible, enfin de la joue faible, ça va, ça reprend bien. Hein. Franchement, j'ai de la chance. La joue forte, les gars, ça y est, ça a bien repris. J'ai vraiment de la chance que ça repousse. Hein. Et là, au niveau de la patte, c'est pas mal aussi. Donc voilà, les gars, c'était mon évolution de 5 mois et une semaine. Même si malheureusement, j'ai pas pu faire le traitement toute la semaine. Vous avez vu quand même une évolution. Et moi, je vois l'évolution par rapport au trou que j'ai là. Et vraiment, pas mal de petits poils sont arrivés. Et je pense que le Derma Roller y est vraiment pour quelque chose. Parce que les gars, je le fais une fois par semaine, donc le mardi, vu que le mercredi, je ne travaille pas. Et je ne mets pas d'application de minoxidil après, donc deux applications de sauté. Je pense que ça aide énormément. Pour 7 euros, les gars, voilà, comme j'ai dit, je ne fais pas de pub, hein, parce que moi, personnellement, je ne prends rien dessus. Mais pour 7 euros sur Amazon, n'hésitez pas à en commander un, c'est vraiment bien. J'ai pas eu trop de retours. Est-ce que ça vous a plu, la petite vidéo que j'ai fait la semaine dernière concernant lui, la barbe chez Barbart? Savoir si ça vous a plu ou pas. J'ai eu un snapchatter qui est venu me parler dans la semaine et qui m'a dit qu'il avait, sous mes conseils, ça fait super plaisir déjà, acheté la petite brosse à barbe là, en poil de sanglier, comme je vous avais montré, de poche. Et il a pris de l'huile aussi et du savon. Donc franchement, si je peux aider comme ça, ça me fait vraiment plaisir et je trouve ça cool. Donc si des marques me regarde, on ne sait jamais, n'hésitez pas à me contacter en message privé, soit sur la page Facebook, vu qu'on a la page Facebook Yola Barbe, ou alors sur mon Snapchat, pareil, ça sera tout dans la description, donc n'hésitez pas à venir me contacter. Et si je peux vous présenter des produits, les produits de votre marque à mes chers abonnés que j'aime, voilà, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Les gars,
Sur ce, moi je vous dis bonne barbe. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, là, si ce n'est pas déjà fait. Quand je vous balancerai mon intro, si vous voulez revoir cette vidéo ou revoir une autre vidéo ou alors regarder toutes les vidéos encore une fois, eh ben n'hésitez pas, ça sera juste à cliquer sur le carré juste là quand il y aura mon intro. Sur ce les gars, moi je vous redis bonne barbe, encore un grand merci à vous et à dimanche prochain. Allez, ciao la team et merci encore. Must be a